Eh bien, salut tout le monde, c'est The Vinizio et on se retrouve pour le 13e épisode de notre Let's Play sur LEGO Pirates des Caraïbes. J'espère que vous allez tous bien. Et la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait fait l'épisode avec Axiom. C'était bien cool. Alors, j'ai repris le micro qui marche un peu mieux cette fois. Mais j'entends pas trop le son du jeu. Mais voilà, ouais, il était bien sympa à tourner cet épisode. Et donc là on se retrouve sur le land des volants, il y a Sofeng qui est mort, ça craint. Enfin, j'ai toujours trouvé que ça craignait la façon dont il mourait. Que ça soit dans le film ou dans le jeu, hein, c'est la même chose. Et donc là, bah, on incarne, si vous le reconnaissez, James Norrington. Hein. Il est redevenu... mais il a remonté en grade. Alors je crois que sur la version 3DS, il y a deux versions, hein. Il y a en Commodore, et là, en version Amiral. Et puis il est encore plus classe en version Amiral, mais bon là c'est le même. Donc on incarne lui et puis Mulroy là et Murtaugh et Monsieur Murtaugh, ouais. les deux débiles de la marine, ils sont marrants. Et donc on est sur le Hollandais volant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rappelle des souvenirs ce bateau. Ça faut y taper. C'est trop bien, c'est la première fois qu'on incarne le gars qui est en gros le méchant du premier film, si on peut dire. On va monter en haut, il y a des pièces bleues, je crois. Ouais. Non, il n'y a pas de pièces bleues. Ah non, mais non, il faut prendre lui. Et là... Non, lâche. Tire là-dessus, quoi. J'étais assez concentré là. Hop. Nice. Non, non, non. Ok, on se retrouve dans la cale. Hop. Oula, oula, il y a une petite baisse de FPS là. Pas cool. Ouais, je sais pas trop à quoi c'est dû là, mais c'est pas cool. C'est... Ah, là-bas, il y a un truc à construire. D'accord, ça servait à rien. Là, il y a quoi? Plutôt calme, hein, je trouve. Il se fait du bien. Il poseille. Hop. Non, faut faire gaffe avec ces merdes. Je crois que les coquillages, il y en a. Ouais, voilà, c'est un système de 2 sur 5. Là. On va aussi essayer d'avoir un véritable pirate, même si bon, j'y crois pas trop. Enfin, j'avais dit ça dans le dernier épisode et au final on l'a vu large, donc faut jamais se fier aux apparences. Faut
Ah ouais, ça c'est bien ça. Ah ouais, cool. Deux sur quatre, parfait. Il y en avait un plus haut, je crois. On va remonter. Tiens, vous, tirez sur le coquillage. Ah non, c'est pas un... C'est pas un coquillage qui fait... Non. Voilà. Ouais, 3 sur 4. Et ça fait quoi, là, si on va dans les canons? Ah oui, ça c'est pour avoir un mini-kit, je me rappelle. Ouais, il faut tirer sur... Baril là qui dépasse. Hop. Là, on peut plus. Ouais, ça c'est un mini kit facile, alors on va le prendre. Non, allez. Voilà. 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 Parfait. Un peu. Bon, là, oui, il y a encore un niveau en dessous. Oui, il est le dernier baril. Il est pas là. Ok, là c'est assez compliqué. Ah, parfait. Voilà. Donnez-moi un peu de pièces, c'est plutôt cool. Faut pousser ça. Ah oui, comme ça on va pouvoir mettre deux épées là-dedans. Oui, par contre... Ah oui, si, oui, voilà, c'est là. Plutôt pratique. Non mais, je veux sauter dedans en faisant un saut classe. Voilà. Pas le dernier baril là avec les tentes. Ah, le voilà. Parfait. Parfaitement parfait. Allez. Voilà le véritable pirate, on est à 25 000, je le parie sur 100 000, parce qu'on était genre à un quart de la barre de la jauge. Ah, attendez, 1, 2, 3, non mince, je fais qu'on va compter le nombre de ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, ou 80 000 peut-être, enfin pas loin de la santé non. Faut faire quoi? Oui, là. Hop. Ah, il est mort. Ouais. Oh, Taïwan. Oh,
Bill Turner là qui veut nous empêcher de partir. Bon, faut faire comment? Non, dégager les hommes de Davy. Il faut remonter. Ah si si oui. Faut prendre pirate tatoué. Voilà. Ah oui. Hop. Le triple canon, ça c'est la clé. À quoi ça servait? Ah mais si, pour sortir. Sacrifie pour nous. Oh. Plutôt chaud là. Il faut Elisabeth. C'est bon. Hop. Ah oui. Ouais, d'accord. Je me suis bien failé là. Accéder à la barre du dessus. Non. Hop. Ah si là. Ouais voilà. Euh, 39 000, ah ouais, à mon avis c'est 80 000. Le saut là, mais il était bien classe. Alors, en fait, faut faire gaffe à pas prendre la corde, sinon c'est trop tard. Ouais. 4 sur 5, mince, on a dû rater un coquillage. Ouais. Ah, tant pis. Toi, détruis ça. Ouais, ouais, ça aurait été impossible d'avoir un véritable pirate. Ça craint, hein, le pauvre. Et voilà. Oh, ouais.
Alors, encore Elisabeth, une autre forme. Incroyable. Véritable pirate, ouais. Ah ouais, ça aurait été impossible, clairement. Et enfin, on a combien, Mickey? 2 ou 3? 3, parfait. Bon. Et bon, on va s'arrêter là. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé ce 13e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il était bien sympa. C'est cool de retourner sur le long des ballons. J'aime beaucoup. Moi. Un peu plus posé que ceux d'avant. C'est pas pour me déplaire. En tout cas, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à mettre aussi des commentaires pour voir si ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour le 14e épisode de notre Let's Play sur Lego Pirates des Caraïbes. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.